Un Sechet Gittin résumé du Daf Memhe. La Gemara raconte sur un esclave qui s'est sauvé de Chutz Laaretz en Eretz Israël. Son maître est venu le rechercher en Eretz Israël pour le ressortir en Chutz Laaretz. Rabbi Ami lui a dit, écoute, tu n'as pas le droit de ressortir. Ce que tu peux faire par contre, c'est qu'il s'engage à te payer sa valeur et que tu le libères avec un Get Shichur. Mais si tu n'es pas d'accord, alors je vais te le faire perdre définitivement, puisque Rabbi Akiva et Rabbi Yoshia a pris d'un pasouk que sur ça, dit la Torah, ne rends pas un esclave à son maître quand il se sauvait chez toi de chez son maître. Ne le rends pas en route l'arrêt quand il se sauvait en Eretz Israël. C'est comme ça que Rabbi Akiva explique le pasouk. Il y a d'autres drachot sur ce même pasouk-là, mais comme ça, Rabbi Akiva l'explique. La Gemara dit encore. Rabbi, comment il explique ce pasouk? Ne rend pas un esclave à son maître. C'est celui qui a acheté un esclave alors qu'il a convenu avec lui depuis le début que dès qu'il l'achètera, il se libérera automatiquement. Sur ça, dit la Torah, tu ne rends pas à son maître, il doit se libérer automatiquement. La Gemara raconte que Rav Rizda, son éved, s'est sauvé chez les Koutim. Alors que lui, il était en Chutz Laaretz. Et les Koutim aussi, étaient en Chutz Laaretz. Il leur a demandé de le rendre. Ils lui ont dit, mais non, mais la Torah interdit de rendre un esclave qui s'est sauvé. Il leur a dit, non, ça ne parle, ce pasouk-là ne parle pas de ça. Il parle comme Rabbi Achi, du cas où l'esclave s'est sauvé de Chutz Laaretz en Eretz Israël. C'est là, on ne le rend pas à son maître en Chutz Laaretz. Mais là que tous sont en Chutz Laaretz, et moi et vous, vous devez le rendre. Abaye aussi a perdu un âne qui est arrivé chez les Koutim. Il leur a demandé de le rendre. Ils lui ont demandé un siman. Le siman qu'il leur a donné, c'est qu'il a le ventre blanc. Ils lui ont dit, écoute, le ventre blanc, tous les ânes, ils sont comme ça. Et puisque c'est toi, tu es Abaye, qui est un homme important et chassid, on sait que tu ne mens pas, on te le rend. Mishnah suivante. On n'a pas le droit de racheter les prisonniers plus que leur prix. La Gemara demande pourquoi. Est-ce que c'est pour ne pas peser sur le tibour en demandant trop d'argent? Ou bien la raison elle est de manière à ne pas encourager les goïms à kidnapper des juifs. Et la Gemara dit, pour répondre à cette question, la Gemara ramène l'histoire de quelqu'un qui avait racheté sa fille pour 13 000 dinars d'or. Donc tu vois que tout le problème n'est que un problème de ne pas peser sur le tibour. Or lui était riche, il pouvait se permettre. La Gemara dit non, qui dit qu'il a bien fait? Peut-être qu'il a mal fait cet homme-là et qu'on devrait interdire même au père de racheter même sa fille à plus que son prix, de manière à ne pas encourager les goyim à kidnapper des juifs. La Mishnah dit encore, on n'aide pas les prisonniers à se sauver. Pourquoi? Pour que les goyim n'aggravent pas les conditions des prisonniers de manière générale dans le monde. D'après Rabban Shimon Gamliel, on ne craint que s'il y a d'autres prisonniers avec lui, qui risquent, eux, d'être enchaînés, d'être embêtés. Mais s'il était le seul prisonnier, on pourra l'aider à se sauver parce qu'on ne craint pas les prisonniers de manière générale dans le monde. La Gemara raconte sur les filles de Rav Nachman qui mélangeaient la soupe dans la marmite bouillante avec leurs mains. Rav Ilish s'était étonné. Pourtant, un homme sur mille est tzadique, une femme même sur mille, on n'a pas trouvé, dit le pasouk. Et comment donc tu as ici des femmes qui ont un tel niveau de tzidkout qu'elles peuvent rentrer la main dans la marmite bouillante, sans se brûler. Et l'Agma raconte toute une histoire où finalement, il a conclu, Rav Ilish avait conclu, que ça ne venait pas de leur tzidkout, cette protection-là sur les filles de Rav Nachman, mais au contraire, c'était des sorcières qui, avec leur sorcellerie, elles arrivaient à se protéger de la marmite bouillante. Mishnah suivante. On ne rachète pas non plus des sifra Torah, des tefilin et des mezuzot des goyim plus que leur prix, pour ne pas, comme on a dit, soit pour ne pas peser sur le tibour, soit pour ne pas qu'ils s'encouragent à voler. La Gemara déduit de là que plus que leur prix, on ne rachète pas, mais à leur prix, on peut y racheter. Est-ce que ça veut dire qu'un sifra Torah qui se trouve chez un goy, il est cachère? La Gemara dit non, on le rachète et on le met à la Gniza. La Gemara dit maintenant, si le sifra Torah était écrit par un goy, ou quelqu'un qui est très attaché à la Avodah Zara, on le brûle parce qu'on sait qu'il est écrit avec les intentions de la Avodah Zara. Si c'est un goy simple qui a écrit le Sefer Torah, on le met à la Gniza. On ne le brûle pas, on ne le lit pas.
Si maintenant, on ne sait pas qui l'a écrit, mais on l'a trouvé chez celui le premier qui était attaché à la Avodah Zarah, dans le doute, on le met à la Gnisa. Quand on l'a trouvé chez un goy, il y en a qui disent on le met à la Gnisa, d'autres qui disent il est kasher. La Gemara ramène ensuite trois braïtos. Une qui dit un Sefer Torah chez un goy. Un Sefer Torah qui a été écrit par un goy, on le brûle. Ça va comme le Tana qui pense que toutes leurs pensées des goyim pour la Avodah Zarah. Deuxième braïta qui dit on le met à la Gnisa. Ça va comme la braïta qui dit que le goy n'est pas soul pour écrire un Sefer Torah parce qu'il ne met pas les tefilin. Or, la Torah comparait l'écriture des tefilin ou des mezuzot à celui qui les met. Or, lui qui n'est pas les tefilin, il n'est pas soul pour écrire les sifrei Torah, les tefilin et les mezuzot, comme une femme, comme encore beaucoup d'autres personnes. Troisième braïta qui dit le Sefer Torah, il est kasher, écrit par un goy. La Gemara dit ça va comme Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit qu'un goy qui écrit des sifrei Torah, il est kasher. La Gemara demande, mais Rabban Shimon, lui, il est mahmir, qu'il faut travailler la peau, l'ishma, pour les tefilines. Et tu vas me dire que même quand ça t'est écrit, pas avec les intentions de la mitzvah, comme le goy qui a écrit, ça sera kasher. Réponds la Gemara, de quel goy il s'agit? Ici, il ne s'agit pas d'un vrai goy. Il s'agit d'un converti qui a relâché les mitzvot. Et la Gemara dit, mais s'il a relâché les mitzvot, alors c'est sûr que tu comprends de là qu'il est attaché à la Avodah Zarah. Comment tu peux dire que c'est kasher? Réponds la Gemara, non. Il a relâché les mitzvot par crainte des goyim. Donc quand il écrit quand même, on suppose qu'il les a écrits correctement, avec les bonnes intentions, et donc c'est kasher, on peut les utiliser et les lire. La Gemara dit encore, on a vu dans la Mishnah, donc ne pas racheter à plus que leur prix, mais un petit peu plus, une petite pièce de plus que leur prix, on peut lui racheter. D'autre part, dit la Gemara, on n'a pas droit non plus de trop négliger le prix des tefilin. Comme l'histoire d'une goya qui a amené un paquet de tefilin à Abayé. Et Abayé lui a dit, écoute, je te prends chaque paire pour des dates. Elle s'est énervée quoi? Il va payer des dates pour une paire de tefilin? Il se moque de moi, la femme, elle s'est tellement énervée qu'elle les a jetées au fleuve. Abayé a regretté en disant, j'aurais pas dû tellement les négliger devant elle. Mishnah suivante. Celui qui se divorce parce que sa femme a une mauvaise réputation n'a pas le droit de la reprendre. S'il a divorcé parce qu'elle fait trop de nédarim, il n'a pas le droit non plus de la reprendre. Rabbi Yehuda a dit, ça dépend de quel néder. Si c'est un éder qui était connu de tous, il ne peut pas la reprendre. Mais si c'est un éder qui a été fait comme ça en privé, il peut la reprendre. Rabbi Meir dit, ça dépend de quel éder il s'agit. Si c'est un éder qui ne peut être annulé que par le Chacham, Atarat Nedarim, il ne peut pas la reprendre. Mais si c'est un éder que le mari aussi pouvait annuler, il peut la reprendre. Rabbi Lazar dit, on a interdit l'un à cause de l'autre. Donc dans tous les cas, il ne peut pas la reprendre. La Gemara explique bien les raisons de chacun. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda a dit, un homme à Tidan a fait un éder sur sa femme en disant « Je fais un éder si je ne te divorce pas ». Finalement, il a divorcé. Les Chachamim lui ont permis de la reprendre. « Mipnei tikkun haolam » La Gemara avait expliqué donc tous ces cas-là et toutes les raisons de la Mishnah.